sont en proie au quotidien aux atrocités perpétrées par les forces qualifiées des terroristes, notamment les ADF, les Codeco, les Interahamwe et autres. Ces atrocités ont créé un climat qui plonge la population dans la désolation la plus totale. Des tueries se sont accentuées en Ituri et au Nord Kivu. La population civile paye le lourd tribut. Les hommes sont tués à l'arme blanche et au coup de canon, les femmes violées et éventrées et les enfants sont recrutés de force. Cette insécurité a une incidence négative sur l'économie du pays. Les services générateurs des recettes éprouvent d'énormes difficultés actuellement pour mobiliser des ressources dans les postes frontières. L'exploitation des ressources minières et des sites touristiques est ralentie. La conjugaison de tous ces facteurs a un impact négatif sur le climat des affaires et des investissements, avec comme conséquence la privation au gouvernement des moyens de sa politique. La paix et la sécurité demeurent les gages du développement du pays. Pour la restauration et la consolidation de la paix dans cette partie de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se référant à la Constitution, la loi des lois, a décrété l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Une mesure très saluée par la population. Point de vue dans l'état de siège, au président a lancé la bande à Ituri. Je suis vraiment d'accord avec ça. Abimissima grand samaram puisque un va civil va savoir qui et va nous qui n'a pas malamuté. Ma canisson yo papa présent zui sika. Et c'est une raison pour banda kala. Oui à cause de militaire, nous avons un gouverneur, vice gouverneur militaire, n'a pas chef de quartier nous sommes militaires. Pour ceux qui va cambi va comme militaire, na canisi munguna kokima. Disons tout ça qu'à Congolais. Donc cela veut dire passe au bazooka kuna il fallait ngapé na dans la capitale boy et ça ngapé passe. Décision bien population bête la toujours maboko. Ça aide moi malamou vraiment t'encourager ngo parce que tout le monde changement ngo. Ce gouvernement est pour la sécurité et nous savons qu'ils vont sécuriser nos amis à l'est, nos familles parce que ce sont nos mamans, nos papas, nos jeunes frères, jeunes sœurs. Papa nyoso na kati ya ndako. Soki amoni ndako ezotambola malamu te ayaka na mibeko mususu mpona kopesa na ndako. Si c'est pour 30 jours, pour moi je veux que le président puisse encore ajouter même un mois pour éradiquer totalement cette histoire. En tout cas, nous voulons que le chef de l'État puisse faire le suivi de ses troupes une fois placées à l'est. Et Togo Sepela, pour les politiciens mususu, va soutenir Mokonzi ya Mboka pour m'armer qui est liboso. Mokonzi ya biso nyonso le retozo wela esalité. Vu Moka le président Zui, ce bien, tout ça pour lui, tout PCP chose, l'état des sièges. Mais, ils ont la solganté, mais tout l'ingé, ils ont récupéré chaque jour des localités et autres bastions sous contrôle des forces négatives. C'est palpable, l'état de siège décrété par le président de la République a boosté les FRDC qui ont désormais le vent en poupe. Selon le journal, la veille même du jour où les nouveaux gouverneurs rejoignent leur affectation, 10 combattants ADF sont neutralisés à Yalungapa. 6 groupes armés actifs dans la région du Nord Kivu sont prêts à déposer les armes selon les sources militaires. En outre, 23 localités sont à nouveau sous contrôle des loyalistes. À partir de l'état de siège, les FRDC peuvent renouer avec leur glorieux passé. Note.